Alternative socialiste a constaté avec un pile attention, un pile tristesse, mais sans aucun saisissement, situation qu'a développé dans le pays, dans le contexte finissement régime PHTK. Partisan pouvoir ça a commis un pile crime, qui se crime voie la corruption, qui se crime sous la vie moun. Partisan pouvoir ça a connaît tout, peuple haïtien, pays d'Haïti, pas fait bac. Il n'a pas plié et puis il n'a pas pardonné. Le régime a baissé et foncé tête baissée. Mais la force est tête baissée pour l'y frapper dans Mirai volonté populaire. Assassinat est sous mon frère Dorval, qui mettait en pile bouleverse dans la conscience nationale là. Dans toute couche sur sa lieu, c'est un preuve en plus vocation criminelle régime ça. N'importe qui citoyen dans la rue capable de dire, sans n'y pas hésiter, il y a implication monde dans le pouvoir dans un acte criminel sans pareil ça. Nous ne pouvons pas compter combien de compatriotes nous, dans les quartiers défavorisés, qui vivent en bas de griffes, gangs armés. Nous connaissons, et puis tout le monde connaît, le groupe ça, c'est en bas autorité gouvernement, qui a réuni ses missions à exécuter. Nous voulons ces partis, nous voulons toute famille, tout le monde dans le quartier Belin, qui sont victimes de l'intérêt du gouvernement, sont plagués sur eux. Même les gens qui ont fait ça dans la Saline, dans le Cafoufeuille, dans le Pont Rouge. Nous tous connaissons, depuis le régime tête calée numéro 2 arrivé sous pouvoir, il décide de déstabiliser et puis détruire la police là pour être capable de renforcer le groupe gang qui est féodé à pouvoir en face de la police là pendant la corrompre en pile unité dans l'institution avec soi-disant privilèges, avec l'argent en bas, avec soi-disant petite construction, projet à droite à gauche. Pendant toutes ces semaines qui sont passées, Port-au-Prince, des scènes de violence, un paquet de violence. Manifestation ça a démontré, Jean-Marc Monferré d'Orval a dit ça, le pays n'est ni dirigé ni administré. Nous-mêmes dans l'alternative socialiste, nous ajoutons, il avance à grands pas vers le chaos. Si nous avons regardé des questions KPA, comme ça, nous avons dit que c'est un acte brigandage, ou soit nous avons dit que c'est un acte marronnage. Cependant, là nous connaissons tout le potentiel danger, l'hypothèse, il faut que nous parlions. Faut que nous parlions avec même bagaille ça qui est le KEPA. Messieurs, dames, KEPA, nous connaissons les difficiles en Haïti pour un jeune garçon ou une jeune femme faire accumulation de capital. Cependant, nous connaissons tout, capital y aurait la dignité, capital y aurait le respect. On faut perdre les difficiles pour rejoindre. En plus, n'a pas dit même soi-disant qu'il a fait ça. Il a bénéficié l'argent public dans conditions illégales. Il a bénéficié privilèges publics dans conditions illégales. Préparez-nous pour conséquences. Faut que nous parlions tout avec messieurs dames cabinet ministériel. Nous pas devoir participer dans soi-disant créer décret illégal by moun possibilité servir à l'argent public, servir avec fonds publics. L'argent qui saute dans le sujet, dans 100 peuples haïtiens, pour que les gens gagotent là-dedans. Nous disons, il faut qu'ils soient préparés pour lui. Il y a des sanctions pour ça. Préparez-vous qu'une fois que vous gouvernement, Jean Sadoué fait la guerre dans notre pays, il y a des sanctions pour ça. Semaine passée à tout, l'ambassadrice des pays États-Unis en Haïti, il fait des menaces sans voile, sans gants, contre tout le monde qui a voulu camper en face du processus électoral. Eh bien, il met tout connecté, excepté quelques tiracailles qui n'ont pouvoir, il y a 11 millions de personnes qui campent en face du processus électoral. Ça. Nous connaissons une bonne menace sous nos pays. Une bonne menace, une pile menace sous tous les citoyens. Cependant, même avec tout haïtien conséquent, ce n'est pas seulement tristesse, Zach Sayo mettait dans le cœur. Il mettait indignation tout la cœur. Il soulevait toute énergie qui est en dedans nous. Lili met toute flamme bataille qui gagne en dedans nous. Donc, nous convoquons les haïtiens, lever campé dans la bataille, dans la dernière bataille pour nous faire, pour nous mettre fin à l'aideur qui a frappé dans la figure de nous. Nous relais la classe moyenne, tout. Nous relais l'élite intellectuelle, nous relais l'élite économique. La classe moyenne, nous-mêmes, nous avons responsabilité dans la construction d'un pays moderne, d'un pays neuf. Il y a un pays qui méritait, que tout le monde méritait venir là-dedans. Ce n'est pas un pays qui prépare petit nous pour voyager, pour aller habiter l'autre bord. Tout le monde méritait vivre dans un pays décent. Donc, classement, il y a une responsabilité. Ça. Nous ne pouvons pas prendre position. Ouais. Merci. Ah, avant de finir, nous voulons voir
un hommage, un salut spécial pour les camarades, frères nous, frères combat nous, Josué Mérilien, que yo fait une accusation sans pied ni tête sous dol. Yo fait soi-disant son procès verbal. Soi-disant procès verbal. Vous m'avez parlé sous procès verbal ça. Tout à fait. Et procès verbal qui nous mène là, il n'y a pas de quel côté qui signifie non Josué Mérilien là-dedans. Donc nous sommes capables de dire, en gros, c'est une persécution politique que le régime PHTK mettait contre camarade nous, Josué Mérilien, qui est un combattant impénitent. Il y a un monde sérieux, il y a un citoyen que le pays a fait pour rendre hommage. Ce n'est pas le mourir pour connaître un monde sérieux, c'est un monde valable, un citoyen sérieux, Josué Mérilien. C'est pour un régime décrié, vacabou sale qui constitue le régime ça, a vint mettre mandat d'amener. Illégalement. Et nous mandé commissaire, gouvernement, parquet, en particulier du Carmel, pour le capable de ressaisir. Et pour ce faire, ben, ça nous vient en là. Il n'y a pas rien pour avec Josué Mérilien, ni de loin, ni de près. Nous mandons, s'il vous plaît, pour retirer non Josué Mérilien parmi. Et pas seulement Josué Mérilien, non, il y a Gentil Manis tout. Yo cite non. C'est des citoyens qui a goumé valablement. Après, c'est tout pour ça qui là. La responsabilité pénale est personnelle. Yo pas trouvé Josué Mérilien en flagrant délit. Yo soi-disant basé que Josué Mérilien c'est instigateur. Or, pour ce verbal qui fait le Canada, pas grand qu'un côté, moun qui fait procès verbal, la cité non Josué Mérilien là, dans tes assemblées dit. Qui ça le proche? Yo parlé de l'association association malfaiteur. Pour tout ça, on va gagner rien pour avec théoriste, ça on va gagner rien pour avec ça. Nous disons ça déjà. Théoriste là, nous avons dit c'est une appellation qui est dangereuse que lié. Jodi a, on traite moun de théoriste, un citoyen valable, un professeur, tout moun connaît qui fait non dans pays a. On traite de théoriste, on va gagner raison pour ça. Demain, si Dieu veut, on va payer ça quand même. Et d'ailleurs, les gens qui ont appelé de faire massacre là, dans le quartier populaire, nous commençons à constituer, nous les avocats, nous commençons à constituer des pôles très importants pour nous capables de porter dossier à, non seulement devant le tribunal de droit commun ici, mais pour nous capables de porter le tout devant ce pays. Parce que Josué Mérilien, il y a un mandat d'arrêt, groupe gagnant, il y a l'argent à examen à balle. Je remercie Josué Mérilien, professeur de philosophie, syndicaliste, secrétaire général de l'Union nationale des normaliens haïtiens, trouvé un mandat d'arrêt. C'est le monde à l'envers. Et puis, chef gang, yo même, il a bénéficié de voitures blindées.